C'était le 4 décembre au 7 Arpents. L'orchestre d'harmonie de Souffelweyersheim fêtait son centenaire, un concert événement musical et visuel de Star Wars à Bohemian Rhapsody. À l'occasion du nouvel an, Souffelplay vous propose les meilleurs moments. Bonne année à tous. Avec la marche cérémoniale de Ferrand, notre pièce d'introduction, nous avons parcouru une petite partie de l'histoire de notre orchestre. Ladies and gentlemen, welcome to the opening ceremonies of the Games of the 23rd Olympiad at Los Angeles. Le passé nous amène au présent avec une grande ouverture de John Williams. Olympique fanfare et thème, composé à l'occasion de l'ouverture de la cérémonie des Jeux Olympiques de Los Angeles en 1984. Cette année, à Tokyo, ont eu lieu les 10e Jeux Olympiques depuis cette date, pour célébrer dignement ces anniversaires, que les festivités commencent. Thank you.
guerre des étoiles, Star Wars, est un film américain de science-fiction sorti en 1977, écrit et réalisé par George Lucas. À partir de 1981, il y a 40 ans, il est exploité sous le nom de Star Wars épisode 4, Un nouvel espoir. N'ayez aucune inquiétude, je ne vais pas vous résumer la saga. Ce titre prémonitoire, nous l'avons choisi ce soir pour vous présenter les plus jeunes élèves de Bénin qui vont jouer, pour la toute première fois avec grand orchestre, quelques extraits musicaux de cette œuvre mondialement connue. Moi, c'est de la musique. Je suis un musicien, je suis compositeur et je ferai tout pour avancer et pour changer le tango. Astor Piazzolla aurait 100 ans aujourd'hui. Bandoneiste de génie, le compositeur argentin visionnaire a laissé une œuvre colossale qui continue d'être jouée dans le monde entier. En 1990, 2 ans avant sa mort, il caressait l'illusion que son œuvre serait écoutée en 2021 et en 3000 aussi. Son rêve est devenu réalité. Père du tango moderne, ce grand compositeur a laissé une œuvre riche de 800 pièces, où le génie musical et l'émotion sont intimement liés. Voici Adios Nonino, interprété par l'orchestre avec Pierre Simon à la clarinette solo. Thank you.
Pendant ces fêtes de fin d'année, TVCS vous propose de larges extraits du 90e anniversaire de l'Orchestre d'Harmonie de Souffelweyersheim, un moment important de la commune en 2011. C'était le 4 décembre dernier dans une salle des 7 arpents Archicamp. 4 décembre 2011, dans cette même salle, il y a 10 ans exactement, première interprétation de Rosmann de Jacob de Bal, une pièce d'orchestre que nous avons présentée au concours de la Confédération musicale de France, dont vous pourrez d'ailleurs découvrir le résultat en vidéo à la fin de notre interprétation. Jacob de Bal, le compositeur de cette ouverture, a grandi dans un environnement familial où la musique occupait une place importante. À travers les leçons de piano et de trompette qu'il reçoit dès son plus jeune âge, il développe cette sensibilité et cette créativité que l'on retrouve dans l'ensemble de ses compositions. Ses premières œuvres publiées au début des années 80 lui permettent de se faire un nom dans le milieu de la musique pour orchestre d'harmonie. Thank you.
se voit attribuer un deuxième prix avec 14 sur 20. L'harmonie Sarah-Saint Florian s'est vu attribuer un deuxième prix avec 15 sur 20. La société Arbourdotte de Sainte-Mélanie, en première division, s'est vu attribuer un premier prix avec 16 sur 20. L'orchestre d'harmonie de Souffelweyersheim, en première division, s'est vu attribuer un premier prix mention très bien avec 19 sur 20. Du même nom. Elle raconte l'histoire de Louis-Joseph Marchand, le valet de chambre de Napoléon, qui est impliqué dans une controverse concernant l'héritage de l'empereur et le mystère non éclairci de sa mort. Bert Appermann est un compositeur connu pour sa technique virtuose. Il maîtrise parfaitement l'instrumentation pour créer des thèmes magnifiques. C'est une œuvre dense qui enchaîne six mouvements et dont l'interprétation a suscité beaucoup de travail et de transpiration à tous les musiciens. Thank you.
1991, décès de Freddie Mercury à Londres. Son talent surdimensionné n'a d'égal que sa flamboyance et son exubérance. Ses qualités ont fait de lui un cri d'échelle. Bohemian Rhapsody est une chanson qui adopte un style d'opéra. Elle repose sur une structure assez inhabituelle pour un titre de musique rock, car elle est découpée en six parties et dépourvue de refrain. En dépit de la singularité de son format, elle devient un immense succès commercial, marquant une étape décisive dans la carrière du groupe Queen et posant les jalons de sa reconnaissance au panthéon des grands groupes de rock internationaux.
loin de vous présenter cette mélodie mondiale, que vous pourrez tous fredonner avec nous ce soir, j'en suis sûr. Glenn Miller a révolutionné le jazz en lui apportant un nouveau son, le swing, et restera immortel grâce à ce titre. C'est avec joie que nous vous interprétons maintenant Glenn Miller in Concert, pour le plaisir de vos oreilles. Thank you.
pour terminer ce concert, une petite touche de poésie humoristique pour annoncer Noël. L'année dernière, lors du confinement, nous n'avons pas pu répéter ensemble pendant une très longue période. Nous avions décidé de monter en vidéo une pièce d'orchestre, Carol of the Bells, une mélodie de John Williams extraite du film « Maman, j'ai raté l'avion ». Chaque musicien a pu s'enregistrer chez lui, à la maison, sur un fond vert. Celui-ci peut devenir invisible et permet donc d'y rajouter le décor souhaité. Vous avez peut-être déjà vu ce clip sur YouTube, réalisé par Pierre Simon. Mais ce soir, nous avons le bonheur de vous le jouer en vrai. Merci d'avoir été présent à cette fête d'anniversaire. Et bravo à tous les musiciens, grands et petits, pour leur fidélité et leur endurance. Thank you.